Excellencies, Excellences, Monsieur le co-président de séance, Dr. John Genghason, intervenant, je m'appelle Matechibo Moeti, directrice régionale du bureau OMS pour l'Afrique. Je vais présider cette séance avec John Genghason, directeur du Centre africain de contrôle et prévention des maladies. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce panel sur la réponse des pays africains face à la pandémie à COVID-19. Je remercie en particulier Son Excellence le Président Macky Sall pour son leadership, sa vision et pour avoir honoré de sa présence ce panel. Je remercie également Madame la Ministre d'État Marie-Awa Kolsek qui est présidente du comité scientifique des présences assises. Nous remercions également tous les dirigeants des structures de santé et qui vont partager avec vous leur expérience sur la situation actuelle. D'abord, le monde fait face à un défi dû à la pandémie, à la COVID-19, et cette pandémie affecte également tout le monde et des centaines de personnes perdent leur vie du fait de la surcharge des services de santé publics. La situation est qu'environ 2,5 millions de cas de COVID-19 en Afrique, malheureusement, plus de 40 000 personnes ont perdu leur vie. Mais notre situation n'est pas si mauvaise par rapport à celle des autres régions. Comment donc s'y prendre le domaine de la science, de la santé publique, du partenariat multisectoriel pour faire face à la situation? Par ailleurs, est-ce que le continent africain va échapper à la deuxième vague qui est annoncée dans plusieurs régions? Il faut trouver un juste équilibre entre la vie et les substances. Il faut donc suivre les mesures sanitaires. Et cela nécessite un sacrifice énorme. Nous devons éviter de nous fatiguer et poursuivre les efforts déjà engagés. Et au moment où nous attendons que le vaccin permette de ramener la vie à son niveau normal, et nous attendons impatiemment également le début de distribution du vaccin en Afrique. Les intervenants vont intervenir à plusieurs égards sur cette question. Docteur Senga, notamment Docteur Gousseau, Docteur Mimboundou. Deuxième va être abordé et qui concerne le système africain qui pose des difficultés en Afrique. Et le panel va nous indiquer comment le fonctionnement fait face aux obstacles. Bien sûr, l'appui ont permis de renforcer ainsi que en matière d'innovation pour permettre à l'Afrique de juguler la pandémie. Bien sûr, il y a une bonne collaboration entre l'OMS, le CDCA et l'initiative au niveau de l'État et dans la lutte contre la pandémie. Nos systèmes ont face à des défis énormes. Et des conseils d'octets d'un thème de discussion. Nous souhaitons mettre à contribution les plateformes, les capacités, les soins, l'accès aux équipements. Les défis demeurent. Il y a une pénurie du personnel spécialisé et du matériel. Ces défis doivent être relevés. Nous savons comment les défis ont été relevés et notamment en utilisant des plateformes pour optimiser nos capacités. Donc, réfléchir avec ces questions et formuler des recommandations. Pas plus du co-président de finance et moi-même, je suis la bienvenue à ce panel. Et pour la première partie, je vais poser une question au docteur Sengangoy. En tant que
gestionnaire de la situation créée par la COVID-19, nous avons constaté que depuis juillet, le nombre de cas déclarés a réduit en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous faire état de la situation en Afrique? Est-ce que la tendance baissière de la courbe va continuer au niveau de est-ce que cela va permettre de poursuivre la rouverture des frontières? Comment est-ce que cette situation se présente en Afrique? Docteur Ngoy, vous avez la parole. I'm sorry, I was still muted. So thank you very much. Je n'avais pas activé mon microphone. Merci infiniment, docteur. Merci pour les organisateurs qui nous ont invités pour partager avec vous votre perspective sur ce qui s'est passé. Si vous me le permettez, je vais répondre en français. Merci beaucoup encore une fois, docteur Moti, et merci beaucoup à tous les collègues et merci aux organisateurs. Alors, je voudrais dire que, effectivement, comme vous l'avez dit, l'Afrique, maintenant, le continent, a enregistré environ 2,2 millions de cas et 54 000 décès à ce jour. Et c'est vrai aussi, comme vous l'avez dit, qu'à ce moment, l'Afrique représente environ 3,3-3,6% seulement des cas et 3,6% des décès à ce jour. Alors, pour répondre directement à votre question, d'abord, c'est vrai qu'on avait constaté au mois de juillet une diminution accélérée du nombre de cas en Afrique. Mais depuis le mois de juillet, au mois d'août, on a par contre enregistré une certaine régression de cette diminution, une décélération de cette diminution. Et à partir du mois de septembre, on a remarqué plutôt une certaine augmentation du nombre de cas dans notre région. Mais évidemment, l'Afrique est un continent, donc tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Ainsi, par exemple, dans les derniers 28 jours, 25 pays de la région africaine de l'OMS ont enregistré au moins 20% d'augmentation de leur nombre de cas. Et pendant cette même période, environ 12 pays ont enregistré, par contre, une diminution du nombre de cas enregistré dans les 28 derniers jours. Maintenant, l'augmentation du nombre de cas constatés dans certains pays de notre région, est-ce la deuxième vague ou la troisième vague, comme on le constate dans les pays européens? En fait, pour moi, je voudrais rappeler que la dynamique de la pandémie COVID-19 en Afrique n'a pas été une copie symétrique de ce qui se passe en Europe ou en Amérique. Donc, il est difficile de comparer les deux situations, de comparer les deux régions ou les deux continents ou comparer les pays de l'Europe aux pays de l'Afrique en cet instant. Mais tout de même, ce qui est important, à mon sens, c'est de savoir est-ce que l'Afrique va aller à deuxième vague ou ce qu'on appelle deuxième vague. Ou alors, l'important, c'est plutôt dire, à mon humble avis, comment maintenir le nombre de cas et le nombre de décès, évidemment, en Afrique, au niveau le plus bas possible. Avec notre contexte, avec nos systèmes de santé, je pense qu'il est absolument important que nous puissions maintenir ce nombre de cas au niveau le plus bas possible. Maintenant, étant donné la situation que je venais de décrire, est-ce que la réouverture des frontières aériennes représente un défi ou une force, comme vous l'avez demandé? D'abord, permettez-moi de dire ce que nous constatons maintenant, ce qui se passe maintenant dans la plupart de nos pays. Ce que nous constatons maintenant, d'abord, c'est un relâchement, une fatigue générale dans la population en ce qui concerne l'observation des mesures de distanciation sociale, mais aussi d'autres mesures comme le port des masques. Mais ce qui est plus inquiétant encore, ce n'est pas seulement un relâchement au niveau de la population, c'est aussi un relâchement au niveau du personnel de santé et même au niveau des équipes de gestion de cette pandémie dans certains de nos pays. Et encore plus, on peut vous l'imaginer, ce relâchement aura certainement un impact négatif sur les interventions clés telles que la surveillance, l'isolement ou le suivi des contacts. Par exemple, déjà dans certains pays,
on rapporte, on enregistre que les taux, les tests conduits sur les voyageurs sortants représentent jusqu'à 40 voire 50% des tests réalisés par semaine. Et il y a aussi les contextes sociaux et politiques dans certains pays, comme les élections, mais aussi et surtout, nous allons vers une période de festivités avec son cortège de réunions, des masses, des réunions en famille et des voyages vers l'intérieur du pays. Et donc, tous ces facteurs représentent des facteurs de risque importants pour notre région. Et donc, à mon humble avis, le grand défi, ce n'est pas ce qui va venir de l'extérieur. Ce n'est pas ce qui se passe de l'extérieur. C'est vrai que le premier cas, nous les avons importés de l'extérieur. Mais à mon humble avis, à ce stade de l'épidémie, le grand défi, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nos pays et ce que nous allons faire dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent. Donc, en conclusion, la dynamique et la forme que prendra demain la pandémie de COVID-19 dans notre région dépend de ce que chacun de nous, de ce que chacun des dirigeants, de ce que chacun des leaders, de ce que chacun du personnel de la santé va faire et continue à faire pour garder la transmission aussi basse que possible dans notre région. En d'autres termes, nous, Africains, je veux dire, vivant sur l'espace de l'Afrique, nous avons donc entre nos mains la clé de l'avenir ou du futur de cette pandémie en Afrique. Je vous remercie, Dr. Mouetti. OK, merci beaucoup, le Dr. Ngoy. Donc, je passe maintenant le co-présidence à Dr. John Kengason, qui va diriger notre travail. So, thank you, Dr. Mouetti, for getting us started on a very good footing. We are very fortunate and privileged to have a strong team of experts from the country. Sommes heureux d'avoir le flow. I will announce the second speaker. Nous allons passer la parole au directeur des opérations d'urgence sanitaire du Sénégal. La question que je vais vous poser est la suivante. Elle est simple. Le Sénégal a été international pour la qualité de la gestion de la faute à la COVID. En tant que directeur de est-ce qu'en 5 minutes, vous pouvez analyser la situation au Sénégal, mettant l'accent sur les forces, les défis et les perspectives. Docteur Bousso, vous avez la parole. Merci, docteur. Donc, permettez-moi un peu de faire le point sur la situation épidémiologique au Sénégal en termes de forces, défis et perspectives. En termes de situation, je pense comme nous l'avons tous suivi, l'épidémie a commencé au Sénégal exactement le 2 mars 2020. Et aujourd'hui, nous sommes à 6 766 cas. Nous avons 15 950 personnes guéries, environ 95% des cas. Et nous avons 344 décès, à peu près 2,05% de décès. Nous avons une épidémie qui est en train d'évoluer. Et aujourd'hui, je pense qu'au niveau du Sénégal, nous n'allons pas utiliser des discussions sémantiques. Nous considérons que nous sommes dans une deuxième vague. Parce que nous avons quand même eu une augmentation de nos cas avec un maximum de cas entre le mois d'août et le mois de juillet. Et les cas ont commencé à descendre. Et depuis le début du mois de novembre, nous commençons à avoir une amorce de cas. Et donc, pour nous, ça reste une vague. Et il faudra aujourd'hui travailler dans le sens de limiter l'amplitude de cette vague pour qu'on n'atteigne pas la première partie. Et donc, en termes de répartition, l'ensemble des régions du pays sont atteintes. Mais aujourd'hui, nous avons quand même 4 de nos régions qui sont indemnes, c'est-à-dire qui n'ont plus de cas depuis 2 semaines. Mais toutes les régions, les autres régions sont touchées. En termes de force, je pense que ce qu'on peut dire, c'est d'abord, on insiste beaucoup sur la partie réponse, mais j'insisterai sur la partie préparation. Et ça, je voudrais en profiter pour faire un plaidoyer auprès des organisations comme Africa CDC et l'OMS sur la partie préparation des pays. Parce que c'est cette partie préparation qui aide après à avoir une meilleure réponse. Et je pense qu'au Sénégal,
Je pense que ça a été une chance, cette partie préparation, déjà de tirer des leçons des épidémies précédentes. On parle d'Ebola, on parle de la fièvre laval du Rift, de dengue, mais également dans le cadre de la mise en place des structures de gestion des urgences comme le Centre des opérations d'urgence sanitaire du Sénégal, qui aujourd'hui est considéré comme un modèle où il y a eu des personnes qui ont été formées à la gestion des urgences, des personnes qui ont eu aussi l'occasion d'aller s'exercer dans d'autres pays avec un peu l'appui de l'OMS, de Africa CDC, de la CDAO. Ça nous a beaucoup aidé. Mais également le fait de pouvoir travailler ensemble dans un cadre multisectoriel. Parce qu'aujourd'hui, quand la crise arrive, il ne faudra pas après qu'on puisse se dire où est-ce qu'on va s'asseoir. Donc nous avons déjà eu l'habitude de travailler ensemble dans ce cadre multisectoriel et de pouvoir aussi implémenter les stratégies telles que le système de gestion des incidents dans notre pays. Donc ça, je pense que c'est un aspect très, très important, cette phase de préparation pour les personnels de santé, pour les autres secteurs aussi, qui comprennent qu'ils doivent travailler ensemble. Maintenant, quand on est arrivé à l'épidémie, je pense que l'engagement des plus hautes autorités de ce pays a été aussi très, très décisif, à commencer par M. le Président de la République, M. Macky Sall, l'ensemble du gouvernement, le ministre de la Santé qui a conduit les troupes, donc qui ont été devant et qui ont été à nos côtés. Autre point force important, c'est les ressources propres de l'État. Donc l'État du Sénégal a d'abord mis ses ressources financières. Nous n'avons pas attendu les partenaires et comme on le voit, il faut une réponse très, très rapide. Et je peux dire aujourd'hui que les premières ressources que nous avons eues à utiliser maintenant, même pendant plusieurs mois, ont été des ressources locales, des ressources nationales. Et cela aussi m'amène à faire aussi un plaidoyer dans le cadre de la mise à disposition de ressources dans la réponse aux urgences. C'est souvent ce qui manque. Dans nos pays, nous sommes plus très forts pour répondre. Mais c'est-à-dire quand la crise arrive, nous pouvons trouver les ressources. Mais ces ressources devront pouvoir être mobilisées et permettre aux structures de gestion des urgences de pouvoir disposer de ressources propres. Après, c'est l'organisation de la réponse. Nous avons mis en place une réponse organisée depuis le niveau stratégique, tactique et opérationnel. Nous avons mis en place le système de gestion des incidents. Nous avons décentralisé la réponse jusqu'au niveau district. Les niveaux districts qui s'occupaient de l'identification des cas, des prélèvements et du transport de certains patients. Autre force importante, c'est l'engagement de la communauté qui est extrêmement important. À un moment, nous avons vraiment eu un engagement de la communauté. C'est vrai que ça a été poussé par l'évolution de la crise avec les cas qui sont aggravés, mais également avec les décès. Mais aujourd'hui, on le sent, Dr Ngoy en a parlé, il y a un certain relâchement que nous constatons dans le cadre de cette épidémie. Mais en termes de challenge, c'est l'intégration de ce COVID dans la routine. Je pense qu'on en a beaucoup parlé. Nous avons même, nous, commencé à alléger nos dispositifs quand la situation s'est améliorée et nous sommes en train de reprendre un peu ce dispositif. Et donc, ça amène un peu à pouvoir mettre en place des seuils d'alerte pour passer de la phase de routine à la phase d'activation, à la phase de réponse. Maintenant aussi, le maintien de cette communication sur le risque et de l'engagement communautaire, c'est aussi un défi. C'est long, c'est assez contraignant. Il faudra qu'on arrive à maintenir cet engagement de tout le monde, de la communauté, même nous, personnels de santé, parce qu'à un moment aussi, ça commence à être difficile et on commence à s'essouffler. La question aussi des frontières, on en a parlé, mais j'insisterai surtout sur les frontières terrestres. Pour la plupart, il y a des restrictions et aujourd'hui, il faudra vraiment penser à comment ces frontières terrestres, nous devons les gérer à travers les tests diagnostiques. On parle des tests diagnostiques rapides. Et je pense qu'il y a besoin de réfléchir sur ces frontières terrestres. Et autre challenge, c'est la vaccination, qui est aujourd'hui un outil sur lequel nous sommes tous d'accord. Mais on connaît déjà les fausses informations qui circulent. Même des personnels de santé sont en train de faire des communications à l'encontre de cette vaccination. Donc, il y a vraiment besoin d'une forte communication et préparer pour ne pas que cette vaccination soit rejetée dans nos pays. Et pour finir sur les perspectives, je pense que la perspective, c'est sur la deuxième vague. Cette deuxième vague, je pense qu'il faut qu'on dise le mot. Pour la plupart des pays, nous sommes dans une deuxième vague. Et il faut vraiment qu'on remette en place tous les dispositifs que nous avons mis en place, essentiellement l'engagement de nos autorités, l'engagement des personnels de santé et des autres secteurs, mais également soutenir encore l'engagement communautaire. Voilà, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais dire sur la situation du Sénégal. Merci beaucoup.
Oui, merci, Dr. Bousso, pour cette présentation sur la situation du COVID-19 au Sénégal. On va passer à la troisième intervenant. Donc, c'est le professeur, I think from Nigeria, speaking English, professeur Ola Yinka Olusola Omi Budum is the Dean of the College of Medicine, University of Ibadan in Nigeria. So, Professor, the question to you is, in November, Nigeria... Professor, la question, en novembre, le Nigeria était le pays de l'Afrique de l'Ouest le plus affecté et le septième le plus affecté dans toute l'Afrique. Néanmoins, nous avons vu une baisse des nouveaux cas dans ce pays depuis la pandémie jusqu'à maintenant. Est-ce que vous pouvez nous dire, partager avec nous votre expérience sur tous les défis et perspectives pour organiser la riposte dans votre pays? Et je vous demande de ne pas prendre plus de 5 minutes. Merci. Je vous remercie pour cette question. Tout d'abord, je dois dire que le Nigeria a une population énorme de plus de 200 millions de personnes. Nous sommes un pays donc quelque peu unique. Nous ne parlons pas de français. Nous avons beaucoup de potentialité pour le tourisme, mais nous faisons face aussi à beaucoup de corruption. Hier, le 9 décembre, nous avons eu 822 231 qui ont été testés. Et c'est 0,004 de notre population. Nous avons eu 70 000 cas confirmés et nous avons 4 000 cas qui ont été traités et 65 000 ont été guéris. Nous avons eu 1182 morts, donc le taux de létalité est plutôt faible. Nous n'entendons plus le professeur Ola Yinka. Yes, please go ahead. Yes. Can you hear me? Oui, nous vous entendons maintenant, madame. Excusez-moi, je pense que mon internet n'est pas très stable. Vous voudrez bien me pardonner. Donc, dès que nous avons eu le premier cas de la COVID confirmé le 27 février 2020, nous avons mis en place une riposte multisectorielle d'urgence et nous étions au niveau 3, qui est le niveau de réponse le plus élevé pour les urgences de santé publique. Et depuis lors, la réponse a continué à se renforcer. Il est vrai qu'il y a eu une baisse constante, mais avec une réserve, c'est que le nombre d'échantillons testés aussi a baissé, surtout lors des 2 derniers mois. Donc, certaines des expériences que nous avons connues, c'est qu'il y a eu un engagement rapide du centre nigérian pour la lutte contre les maladies. Et nous avons aussi mis à jour les infrastructures pour pouvoir permettre une multiplication des tests. Nous avons multiplié les tests pour identifier les cas. Et nous avons mis en place des centres d'isolement et c'est probablement ce qui a aidé à atténuer l'impact de la COVID-19. Un groupe de travail présidentiel aussi qui a montré un leadership a été mis en place. Et les différentes parties prenantes aussi ont démontré leur capacité à mettre en place des stratégies d'intervention. Néanmoins, le défi que nous avons, c'est que les tests ne sont pas suffisamment nombreux. Les gens ne veulent pas se faire tester, surtout lorsqu'ils sont asymptomatiques. Donc, il a été difficile de mettre en place des tests en priorité. L'Internet est encore parti. Donc, il y a une méfiance vis-à-vis du gouvernement. Par ailleurs, nous avons du mal à appliquer la distanciation sociale du fait de notre culture. L'eau potable n'est pas disponible dans plusieurs endroits. Beaucoup de problèmes sont surpeuplés.
nos institutions aussi. Maintenant, la faible mortalité de la COVID a conduit des gens à dire que le virus n'existait pas. Sans compter qu'il y a eu beaucoup de stigmatisation. Les gens se cachaient lorsqu'ils étaient positifs. Et il y a le phénomène de la corruption et la mauvaise gestion de traitements palliatifs pour les populations vulnérables. Donc, il y a aussi la lassitude. Que pouvons-nous faire maintenant pour renforcer la riposte? Nous avons besoin de plus de recherche et d'une planification durable. Nous avons besoin de multiplier les efforts pour atténuer les impacts socio-économiques des virus sur les populations. Nous avons besoin de multiplier les tests et les isolements. Et nous avons besoin aussi de partenaires comme l'USAID et l'OMS. Je suis professeur de psychiatrie et je dois dire que l'un des impacts de la COVID-19, qui est l'aspect psychiatrique, doit être mis en avant autant que l'aspect physique. Merci beaucoup. Presentation from Nigeria. Merci pour cette excellente présentation au nom du Nigeria. Maintenant, je vais demander au Dr Mwiti de prendre la présidence pour la deuxième session, le deuxième thème. Dr Mwiti. Merci, merci beaucoup pour. Merci beaucoup à nos panélistes. J'ai vu que vous avez mis l'accent sur la préparation. En tant qu'OMS, nous avons évalué tous les pays et leur capacité. Nous travaillons avec les pays pour élaborer des plans. Maintenant, ces plans doivent être financés et mis en œuvre. Merci à tous les panélistes. Nous passons au deuxième sous-thème sur les stratégies de détection des personnes porteurs du virus. C'est l'un des plus grands défis que le continent africain connaît du fait des perturbations dans le marché mondial pour avoir des approvisionnements. Et il est nécessaire donc d'avoir des positions stratégiques pour accéder à ces ressources. Nous avons noté aussi beaucoup de solidarité avec entre les pays africains. Et le docteur Sall, qui est le directeur de l'Institut Pasteur, va prendre la parole. L'Institut a joué un rôle important dans la lutte contre la pandémie, en particulier au Sénégal. Nous avons vu les délais courts pour donner les résultats, surtout à un moment où il y avait la crise. Vous avez pu régler ces problèmes. Est-ce que vous pouvez partager avec nous l'expérience du Sénégal dans la lutte contre la COVID-19? Vous avez 5 minutes, Dr Sall. Dr Mwiti, merci aussi. J'en profite pour saluer le Dr John Kengason de l'Africa CDC, notre ami avec lequel on travaille ensemble depuis le début de cette épidémie. Par rapport à votre question, Dr Mwiti, le rôle du laboratoire au Sénégal a été, comme l'a soulevé le Dr Bousso, le fruit d'une réflexion stratégique à très haut niveau qui a dès le début décidé de décentraliser. Et je pense que cet aspect est un des éléments clés dans le succès du Sénégal, puisque jusqu'au niveau du district, il était question que le dispositif soit présent pour prendre en charge. Le rôle central du laboratoire est que dans ce genre d'épidémie, il va permettre de mesurer le niveau de progrès de l'épidémie, il va permettre d'améliorer la prise en charge par une détection précoce et il va aussi permettre de très rapidement identifier les différentes personnes infectées de façon à rompre les chaînes de transmission. Et c'est pour ça que l'objectif qui a été fixé très rapidement, c'est d'avoir le plus tôt possible le résultat et donc un défi de le faire dans les 24 heures. Le problème principal qu'il a fallu gérer pour arriver à ce résultat-là a été la disponibilité des tests, mais aussi la disponibilité des machines.
Et donc, dès le début de l'épidémie, ça a été un axe majeur où le laboratoire s'est beaucoup focalisé pour avoir une logistique qui permette d'ouvrir de manière progressive, s'adaptant à l'évolution de l'épidémie, des tests d'abord dans deux régions, qui étaient les régions qui géographiquement étaient situées dans le sud, comme Kolda, pour couvrir plusieurs régions, mais aussi une présence plus centrale dans une des villes les plus touchées, qui était Touba. Cette décentralisation a permis de limiter le transport d'échantillons, qui est un volet non négligeable et qui a permis donc d'améliorer cette précocité. Un deuxième élément qui a été important, c'est que pour le succès de ce travail-là, a été très très tôt de penser à décentraliser au-delà de ces deux groupes et donc d'avoir une réflexion pour progressivement ouvrir d'autres laboratoires, qui fait que assez rapidement, on s'est retrouvé avec 10 laboratoires qui touchent les différentes régions du pays. Donc, le volet de la décentralisation a été extrêmement important pour ce succès. Le deuxième élément qui a été important est la coordination qui a pu être faite, et là, au niveau plus continental, et qui a aussi impacté le Sénégal. Il faut savoir que dès le début, le Sénégal, sous le leadership d'Africa CDC et de l'OMS, a organisé une formation d'abord au niveau continental, qui a fait que, à partir d'un groupe de 25 personnes au Sénégal et d'un autre groupe en Afrique du Sud, il a été possible d'équiper tous les pays avec des laboratoires. Ce volet de formation est important parce qu'il a eu lieu non seulement à l'échelle continentale et a permis justement de renforcer les laboratoires, mais il a eu lieu aussi au niveau national. C'est que dans l'ensemble des zones où des laboratoires ont été ouverts, il a été extrêmement important de pouvoir mettre en place des équipements, de former les équipes qui vont faire ce diagnostic-là, de manière à disposer justement de possibilités de le faire, ce diagnostic-là. Et le troisième élément qui a été aussi important dans le succès du Sénégal, c'est d'avoir une stratégie qui s'adapte en matière de tests. Dès le début de l'épidémie, l'objectif a été de rompre les chaînes en testant toutes les personnes qui étaient suspectes et aussi d'avoir leurs contacts qui soient testés, ce qui avait obligé le Sénégal à faire beaucoup de tests au début, mais qu'on est allé jusqu'à tester plus de 2000 personnes par jour et essayer de le rendre en 24 heures, ce qui est un grand challenge. Et cela a été possible parce que progressivement, le gouvernement a décidé aussi d'élargir ce testing à d'autres laboratoires, ce qui a été une bonne mesure pour nous permettre justement de couvrir les différents besoins. Et après, à partir du mois de juin, cette stratégie a été adaptée pour se focaliser sur les contacts à haut risque et se focaliser sur les cas suspects. Le fait justement de prendre cette décision de ne pas tester à tout va, mais d'adapter la stratégie par rapport à la situation a été aussi un élément important pour justement de cette stratégie. Et donc, au total, le fait de décentraliser, d'avoir une stratégie dynamique dans le choix des cas et de mettre en place un dispositif qui permette de toucher tout le monde a été, avec de la formation, a été les éléments clés du succès. Un dernier point que je voudrais souligner, c'est que le fait de ne pas disposer justement de tests rapides dès le début nous a permis aussi de réfléchir à une production locale et qui nous a conduit, nous, comme le rappelait tout à l'heure la science inaugurale, à mettre en place une plateforme pour justement faire ces tests rapides qui aujourd'hui vont être disponibles assez rapidement à un coût de $1 pour justement toucher les différentes personnes au niveau des communautés. Et donc, au total, ce que je voudrais finir par dire, c'est de dire que le succès du Sénégal en matière de tests a été lié à une coordination qui a été excellente de tous les dispositifs pour permettre que l'ensemble des acteurs jouent leur rôle. Ensuite, une anticipation sur la possibilité d'avoir une logistique qui permette de mettre des laboratoires partout, de justement renforcer le personnel de santé et enfin d'anticiper sur les tests rapides avec la mise en place de plateformes. Je vous remercie, madame. Oui, merci. Merci beaucoup, Dr. Stahl. Donc, nous devons aussi vous remercier pour le rôle clé que le Sénégal, votre institut et le National Institute de l'Afrique du Sud ont joué vraiment dans toute l'Afrique. Merci pour ce partage de vos expériences. Je veux rappeler aux participants qu'il est possible de poser vos questions déjà sur le Q&A. Si vous allez en bas de votre écran, là où il y a « More », vous pouvez ouvrir cette ligne-là, vous pouvez
poser vos questions. Ça va nous permettre de voir les questions posées déjà et faciliter qu'ils reçoivent une réponse. So I'd like to turn now to Dr. Yaneo Kebede-Tebeje of the Africa CDC. Je vais donner la parole au Dr. Yaneo Kebede de CDC Afrique du Sud, qui a travaillé aussi sur les problèmes d'identification. En Afrique, nous avons trouvé que les diagnostics sont très loin des diagnostics recommandés par l'OMS. Qu'est-ce que vous recommanderiez, vous, pour améliorer la situation? Déjà, le Dr Sall a parlé de la stratégie adoptée au Sénégal. Dr Kebede. Thank you. Thank you, Dr. Merci. Merci, Dr Mwaiti. Je remercie aussi les organisations qui ont invité Africa CDC pour réfléchir collectivement sur la situation du continent. J'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit le Dr Amadou Sall, l'orateur précédent. L'Afrique a franchi un long chemin en montant à l'échelle dans les tests pour la COVID. Vous vous rappelez, au début, en janvier en tout cas, il n'y avait que l'Afrique du Sud et le Sénégal parmi tous les pays africains qui disposaient des capacités nécessaires. Et ces pays ont aidé à fournir aux 55 pays membres les souches pour les tests. Et le nombre de tests a augmenté de manière significative grâce à eux. Il y a 23,4 millions de tests qui ont été menés sur tous les continents avec un taux de positivité moyen de 9,8%, ce qui veut dire que ce taux de positivité est encore très élevé. Et il faudrait que nous puissions l'infléchir pour pouvoir contrôler la pandémie. 1,7% de la population africaine ont été testés. Néanmoins, le continent doit monter à l'échelle pour les tests pour pouvoir faire face à la COVID-19. Beaucoup de pays africains ne conduisent pas beaucoup de tests. Le CDC, l'OMS, les partenaires travaillent avec les États membres pour que nous puissions monter à l'échelle pour les tests. Et des stratégies importantes ont été notamment mises en place. Nous aimerions vous les recommander. D'abord, nous avons besoin de continuer à mobiliser les ressources pour avoir des kits de tests. Nous devons aussi utiliser la plateforme PCR. Nous encourageons les pays à investir plus de ressources dans les tests de laboratoire dans le cadre d'une stratégie de riposte à la COVID-19. Nous espérons qu'en augmentant les tests, parallèlement, nous aurons une stratégie pour la vaccination. Le troisième point, c'est la centralisation des tests ou la décentralisation des tests au niveau des laboratoires, des institutions, etc. Nous avons aussi émis des directives pour améliorer les tests, surtout dans les communautés où le taux de prévalence peut être assez élevé. La stratégie la plus importante sur laquelle nous travaillons, c'est pour les tests de diagnostic rapide. Et il s'agit de technologies pointues qui peuvent permettre d'avoir des résultats en 15 ou 30 minutes. Et ils peuvent être disponibles dans plusieurs laboratoires. Donc, CDC Afrique a travaillé avec l'OMS et d'autres organisations pour mettre en place les directives nécessaires. Nous avons aussi une formation pour ces tests. Et il y a de cela deux semaines, nous avons mis en place une expérience, plutôt une formation. 6 pays
ont organisé une formation TOT et plus de 236 personnes ont été formées. Nous espérons que les pays vont monter à l'échelle pour que les tests se fassent à une grande échelle parce que ce sera déterminant dans la riposte contre la COVID-19. En outre, nous appuyons les pays à utiliser les plateformes tuberculose VIH sans pour cela affecter ces deux maladies pour organiser les tests. Ce sont donc des stratégies combinées que nous recommandons et nous sommes heureux que beaucoup de pays déjà mettent cela en forme sur la base de nos stratégies PAS. Et donc, nous espérons qu'en utilisant le test antigène, la situation du continent va changer de manière radicale et nous pourrons identifier de plus en plus de cas positifs et ainsi nous pourrons juguler cette pandémie. Merci de l'opportunité que vous avez donnée à Africa CDC de s'exprimer devant ce forum important. Merci beaucoup. Okay, thank you very much, Dr. Tebeje, and thank you to our two panelists. Merci, Dr. Tebeje, merci à nos deux panélistes pour avoir géré pour avoir partagé votre stratégie. À vous tous, je peux vous dire déjà qu'il y a beaucoup de questions, surtout des questions adressées au Dr. Sénégal, sous les questions et réponses. Donc, si vous allez sous les questions et réponses, vous pourrez voir les questions et vous répondrez ultérieurement. Maintenant, je donne la parole à John Condison pour la dernière partie de notre session. Je vous remercie. Je crois que nous avançons très vite et j'aimerais remercier les orateurs pour avoir été particulièrement brefs. Fund and then team which was around diagnostics and would like to segue the clinical management. But before that, if you permit me, coach, let me acknowledge Dr. Madu Sall and le Dr. Sall et le Dr. Yené pour leur leadership. Ils ont travaillé étroitement avec l'OMS pour mettre en place ces programmes de formation au Sénégal et en Afrique du Sud. En fait, il ne fait aucun doute pour moi que dans le domaine, dans ce domaine, nous avons des personnes qui sont très dévouées. Amadou, merci d'avoir ouvert l'Institut Pasteur comme pour la formation. Je me rappelle, vous étiez à Goma. Nous l'avons appelé et nous avons dit, Amadou, vous devez retourner à la maison. Et nous avons envoyé des invitations à 16 pays. Donc, en ce moment, il n'y avait pas encore de diagnostic et nous étions en train de nous ronger les ongles en espérant que les tests arriveraient. Heureusement, les tests sont arrivés et vous êtes les héros. Face à cette pandémie. Maintenant, le sous-thème, c'est la gestion des cas. Je vais retourner donc au Sénégal et nous allons écouter le professeur Moussa Seydi, qui est le directeur des maladies infectieuses tropicales au Sénégal. Et la question que je vous pose, professeur, vous avez été félicité par le chef d'État du Sénégal pour une bonne gestion des patients souffrant de la COVID-19. Est-ce que vous pouvez partager votre expérience avec Sénégal, nous en tant professeur. Que coordinateur du centre de traitement au Sénégal? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord exprimer ma profonde gratitude à l'endroit du président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, qui nous a véritablement soutenus dans notre travail, mais aussi à l'endroit de toute la population qui, quand même, nous a également soutenus de manière constante. Je voudrais, avant d'aller plus loin, m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés du fait de cette maladie. Et parmi ceux qui nous ont quittés, des professionnels de santé, mais pas qui travaillaient dans les centres de traitement,
des épidémies, mais qui étaient dans d'autres secteurs. Ceci dit, partager mon expérience de la prise en charge nécessite évidemment plus que 5 minutes, mais je vais essayer de me focaliser sur tout simplement l'organisation et les traitements que nous avons eu à faire. Notre organisation en tant que responsable de la prise en charge s'intègre dans un contexte global. Et dès le début, nous avons désigné 2 points focaux nationaux qui ont aidé à la mise en place des centres de traitement des épidémies dans presque l'étendue du Sénégal. Nous avons également désigné nos collègues qui étaient au niveau du CDM 10e de l'hôpital FAN ici à Dakar pour qu'ils partent diriger les grands centres de traitement des épidémies, ce qui fait que plus de 90% des patients qui avaient le COVID étaient directement sous notre responsabilité. Nous avons veillé à avoir une très bonne coordination entre nous et une communication quasi quotidienne, ce qui fait que les stratégies thérapeutiques pouvaient être harmonisées. Et par rapport au traitement, je vais commencer par le point qui peut sembler être le plus sensible, c'est l'association azithromycine-hydroxychloroquine. Cette association s'est révélée efficace et bien tolérée au Sénégal. Sur à peu près 628 cas, nous avons trouvé une réduction de la durée d'hospitalisation de 2 jours. Nous avons surtout noté qu'il y avait une prévention efficace des complications. Aucun des patients qui avait pris cette combinaison en stade précoce de la maladie pendant une durée de 3 jours n'avait eu de complications par la suite. Il n'y avait pas aussi d'événements indésirables, graves ou irréversibles. Et je dois noter que nos électrocardiogrammes sont lus par des rythmologues. Et les cardiologues qui travaillent avec nous sont la supervision du professeur Kahn. Donc, Dieu merci, l'association est efficace et n'a tué personne au Sénégal. Donc, nous allons regarder avec nos yeux et non avec les yeux des autres. Nous allons continuer notre traitement. Nous allons faire bientôt une revue sur 1000 malades et on verra si nos résultats se confirment ou pas. Mais il est important de préciser que dès le début, nous avons quand même insisté au niveau des collègues pour qu'ils sachent que ce traitement s'inscrit dans le cadre d'un traitement plus global. Il faut un traitement symptomatique efficace qui peut aller jusqu'à l'utilisation de l'oxygène. Il faut traiter les complications si elles surviennent, notamment les surinfections respiratoires. Il faut traiter les comorbidités comme le diabète, l'hypertension, etc. Et il faut surtout faire attention à ces comorbidités. Nous avons eu beaucoup de patients qui ont eu un diabète qui s'est déclenché durant la COVID-19. Donc, si on s'était focalisé uniquement sur la COVID-19, on les aurait peut-être perdu du fait du diabète. Il faut faire une prévention des complications thromboemboliques. Nous y avons pensé dès le début, avant même que des recommandations ne sortent, parce que ces malades sont dans leur lit, dans leur cabine, ils n'ont pas tellement de possibilités de bouger et une bonne partie d'entre eux étaient relativement âgés. Et dans cette prise en charge, il faut signaler un aspect très important, c'est la prise en charge psychologique. Nous avons une équipe de psychiatres. Au début, surtout, la maladie était extrêmement angoissante et par téléphone, ils nous ont beaucoup aidés à agir sur le plan psychologique. Globalement, les traitements sont efficaces, les résultats sont bons, mais nous verrons par rapport aux formes graves ce qu'il faut faire, parce que nous savons que cette association marche moins dans les formes graves. C'est pour cela que nous avons commencé une étude sur le traitement des formes graves avec un produit coréen qui a une action anticoagulante, immunomodulatrice et anti-inflammatoire, ce qui veut dire que ce produit sera forcément utile, mais au laboratoire, on a trouvé que ce produit avait une puissance antivirale très importante contre le SARS-CoV-2. Mais seule l'étude que nous sommes en train de faire nous le prouvera ou nous infirmera ce qui a été trouvé au laboratoire. Nous sommes actuellement les seuls à évaluer ce médicament ici en Afrique. Alors, pour terminer, je voudrais dire que le défi pour moi, c'est de pouvoir réactiver très rapidement tout le système qui a été mis en place, notamment en matière de lits disponibles, mais surtout de personnel, parce qu'il faut éviter le burn-out qui commence à se faire sentir et cela peut être très dommageable même pour la bonne prise en charge des patients.
Et je crois que c'est important aussi de ne pas attendre les épidémies pour se préparer. J'avais l'habitude de dire que c'est bien régulièrement de faire des exercices de simulation, simulation de riposte face à une éventuelle épidémie qui pourrait survenir brusquement dans un pays. Alors, mon dernier mot sera de dire qu'il faut qu'on croie en nous-mêmes, qu'on essaie de travailler, parce que ne pas croire en soi est plus dangereux que n'importe quel virus. Et nous devons aussi avoir l'aide de politique. Ici au Sénégal, le président de la République nous a laissé entièrement libre. En tant que médecin, en tant que chercheur, il nous appuie et nous laisse libre. Il n'y a pas eu de politisation de cette pandémie, parce que la politisation, quand même, constitue un frein à l'exercice de nos compétences dans le meilleur, dans le meilleur, pour un meilleur résultat. Voilà, je voudrais vous finir par remercier CDC Africa et l'Organisation mondiale de la santé pour leur apport dans la lutte contre cette pandémie en Afrique. Merci. Merci beaucoup, le professeur Moussa Seri, pour cette partage de votre expérience au Sénégal. Et j'ai beaucoup de questions moi-même, mais je pense qu'il y aura beaucoup de questions par notre auditeur, mais on va laisser ça pour plus tard. Passons tout de suite à le prochain intervenant, dont le professeur Serge Ewolé, qui est le chef du département des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Trècheville, et en même temps aussi le leader du programme ALERT. Donc, professeur Ewolé, explique-nous, en tant que responsable des programmes ALERT ou de plateforme ALERT, explique-nous votre rôle pour la prise en charge des malades infectés par le COVID-19. Quelles étaient les difficultés ou bien sont les difficultés rencontrées jusqu'à présent et vos réflexions pour l'avenir? Et j'ajouterai sur cette question aussi, si c'est possible, d'expliquer ce que vous avez constaté comme le lien entre le COVID-19 et le VIH. Je sais que vous êtes une bonne clinicienne qui s'occupe bien du VIH, mais est-ce que vous avez aussi rencontré certaines associations entre les deux maladies? Le professeur Ewolé. Merci beaucoup, John. Merci beaucoup, Dr. Mouiti. Permettez-moi de mettre mon chronomètre pour ne pas dépasser les 5 minutes, parce qu'il y a beaucoup à dire. Merci aussi aux organisateurs du Forum Galien pour cette invitation. Alors, ALERT, on a la chance d'avoir dans ce panel le Dr. Amadou Sall, qui est membre de ALERT, qui est un consortium pluridisciplinaire, qui a été financé par le DCTP pour en riposte aux épidémies. Notre point d'ancrage, ce sont les fièvres non parvenues. Et donc, toute épidémie se manifestant par une fièvre, donc, cette maladie COVID-19 faisait partie des centres d'intérêt du réseau ALERT. Moi, je m'occupe de la recherche clinique avec Pontiano et Amadou Sall, le professeur Rumbo, s'occupe de ce qui est la partie biologique. Donc, c'est un réseau qui couvre toute l'Afrique subsaharienne jusqu'à Madagascar. On avait fait une tentative de réunion du réseau dès le début de l'épidémie avec la Société africaine de pathologie infectieuse que j'ai l'honneur de présider actuellement. Avec les cliniciens, les biologistes, les épidémiologistes, les socio-anthropologistes qu'on oublie souvent, qui sont des personnes clés, et la communauté, la société civile, pour voir quelle aurait été la réponse africaine dans le cadre d'alerte à cette épidémie. Malheureusement, vu les restrictions des voyages, nous n'avons pas pu tenir cette réunion à Dakar. C'était prévu qu'elle se tienne à Dakar, parce que pour nous, dans le même temps, on aurait pu former les biologistes au diagnostic, parce que c'était notre but. Ça n'a pas été fait, mais on a eu quand même à partir d'alerte une base de données commune, qui est une base de données modulable aux épidémies, qui est une base tirée d'Isaric qu'on utilise dans les différents pays, en particulier en Côte d'Ivoire. Donc, pour revenir à la réponse nationale, je crois que quand l'épidémie est arrivée, chacun d'entre nous connaissait ses limites en termes de ressources humaines en Afrique, en termes d'infrastructures, respirateurs, de lits de réanimation et même de services de maladies infectieuses. Et ce qu'on s'est dit très tôt, il fallait qu'on forme,
qu'on délègue, on n'est pas nombreux les infectiologues, et qu'on fédère. C'est-à-dire qu'on appelle tous les spécialistes autour de cette maladie, qui est une fièvre à présentation respiratoire avec d'autres présentations, en fédérant les différents chercheurs, les différents spécialistes, sans faire de querelle du savoir, sans faire de querelle de terrain. Cette maladie m'appartient, cette maladie ne m'appartient pas. Les infectiologues ont appelé les réanimateurs, on a appelé les endocrinologues, les pneumologues, les pédiatres, les gynécologues, les psychologues, et au fur et à mesure, on a su avec qui il fallait travailler. Notre gouvernement en Côte d'Ivoire a construit des sites COVID. Ça me permet de répondre à la question sur le VIH. Dans les 33 districts sanitaires, on a créé des hubs où on pouvait référer les patients pour les cas graves et les cas simples, on a formé, on a délégué aux médecins généralistes et on a aussi tout fait pour protéger les soignants. N'oublions pas que c'est une maladie de la peur, ce n'est pas au passé. Les collègues ont encore peur de cette maladie quand on voit le nombre de soignants décédés. Donc, on a tout fait pour les protéger, les équiper en équipement de protection individuelle. Cette délégation des tâches nous a aidés à contrôler la maladie. Aucun d'entre nous ne peut dire qu'il a soigné 20 000 personnes dans ce pays, aussi bons spécialistes en infectiologie qu'ils soient. Ce sont les médecins généralistes, la communauté qui nous a aidés à contrôler cette maladie. Nous, nous avons impulsé et nous ne faisons que aider et coordonner. C'est ainsi qu'on a pu isoler les patients en faisant ce que l'OMS nous avait recommandé, tester, isoler, soigner et tracer. On les a isolés, les patients qui n'étaient pas graves, dans des hôtels, dans des sites de confinement. Je pense que ça a relativement marché. Concernant l'épidémie de sida, le fait qu'on ait créé des sites COVID, ça a permis le continuum de soins. Mais quoi qu'il en soit, on les a traités comme des personnes vulnérables. Au début, ils ont tous fui les sites. Maintenant, je les vois revenir. Je les vois revenir à l'hôpital. Mais on a plutôt, avec ce qu'on avait fait à l'OMS, recommandé dans le modèle du français de soins, ils aient des traitements pour 6 mois. Ce qui nous a permis de contenir l'épidémie, de nous rassurer et de pouvoir les faire revenir maintenant. Sans oublier que les labos ont continué à travailler. Donc, je crois que là-dessus, ce n'est pas surtout le sida qui m'a fait peur. Ce sont les autres maladies infectieuses qui allaient aux urgences et pour lesquelles on avait peur de les prendre en charge. Toute fièvre avec petit trouble respiratoire était amenée dans les sites COVID. Et même toute maladie respiratoire ou toute défaillance respiratoire était amenée dans les sites COVID. Donc, c'était assez difficile à prendre en charge. Pour finir, je pense avoir fait mes 5 minutes. Le message que je donnerais, c'est qu'on va passer maintenant à vivre avec COVID dans un état de vigilance maximale, dans un modèle intégré de soins. Et je crois qu'on peut tirer un exemple du sida que le conseil dépistage initié par le prestataire de soins, qu'on devrait faire dans tous les hôpitaux, tout en protégeant. Et les tests rapides qui vont venir vont nous servir à augmenter le taux de dépistage en insistant toujours sur les dépistages ciblés. Il ne faut pas faire du dépistage là, Adam Manu, pour dépasser, perdre des tests, alors qu'on va vraiment cibler nos dépistages. Je pense avoir fait le tour à peu près en 6 minutes. Et merci pour votre attention. Oui, merci Serge pour cette expérience de la Côte d'Ivoire. Nous allons terminer cette séance par l'expérience du Burkina Faso, appelé le professeur Apolline Sondo, qui est le chef du service du département de maladies infectieuses et tropicales à Ouagadougou, de partager son expérience. La question pour vous, professeur, c'est est-ce que vous pouvez partager votre expérience, les opportunités et les défis que vous avez rencontrés durant cette pandémie? Vous avez aussi 5 minutes. Merci. Je remercie les organisateurs pour l'opportunité de participer à ce forum et de partager l'expérience de la riposte au Burkina Faso. Alors, depuis l'annonce de l'épidémie en Chine dès janvier, le Comité national de gestion des épidémies a instruit une équipe pluridisciplinaire pour élaborer un plan de riposte, de préparation et de riposte donc à l'épidémie. Et cette équipe comprenait déjà des agents de santé humaine composés d'infectiologues, de virologues, de pneumologues et d'internistes, puis également des agents de la santé animale et de l'environnement. Ainsi, dès les premiers cas, cette équipe pluridisciplinaire qui élaborait donc le plan de préparation et de riposte s'est mobilisée spontanément
pour la prise en charge, en plus du personnel paramédical et du soutien, bien sûr, et des médecins généralistes. Puis, en fonction de l'évolution et des cas que nous recevons, d'autres spécialités donc, se sont mobilisées, telles que les néphrologues, les psychologues, les gynécologues, les pédiatres, des socio-anthropologues et puis bien d'autres spécialités. Déjà, en avril, nous avons observé avec les vols de rapatriement, donc les voyageurs qui rentraient du pays en épidémie, et un protocole de confinement des voyageurs a été élaboré, d'abord pour surveiller les patients pendant 14 jours et voir s'ils devenaient suspects ou pas. Puis, de façon systématique, nous avons réalisé des prélèvements à J0, J8 et J14, et bien sûr, nous voyons détectons les cas positifs. Aussi, en fonction de l'évolution de la fréquence des cas asymptomatiques et bien sûr post-symptomatiques, nous avons aussi élaboré un protocole de prise en charge à domicile parce que dès le départ, un CHU avait été identifié donc dans la ville de Ouagadougou pour prendre en charge donc, les cas et à Bobo-Dioulasso également pour prendre en charge les cas. Mais vite, ce CHU a été dépassé en termes de capacité d'hospitalisation et nous voyons que beaucoup de patients étaient asymptomatiques et aussi symptomatiques. Donc, dans ce protocole de prise en charge à domicile, la prise en charge était réalisée par des équipes mobiles qui assuraient l'annonce des résultats, la mise sous traitement, le suivi jusqu'à la guérison virologique. Mais bien sûr, il fallait tenir compte de certains critères, donc les critères d'évaluation environnementale qui permettaient de pouvoir assurer cette prise en charge en toute sécurité. Et enfin, avec l'ouverture des frontières, nous avons intégré les tests de diagnostic rapide, les tests antigéniques en plus de la PCR pour pouvoir assurer un screening rapide donc des voyageurs qui arrivaient pour détecter ceux qui n'avaient pas encore de PCR et ceux qui avaient besoin par rapport au délai long pour la remise des résultats de la PCR. Donc, l'évolution a été marquée d'abord par les deux CHU au départ, puis avec l'évolution relativement favorable sur le plan épidémiologique des cas et bien sûr la nécessité de pouvoir intégrer la COVID-19 dans la prise en charge de routine. Donc, les autorités ont décidé d'assurer la dévolution au système de santé de routine pour la réalisation de toutes les activités de prise en charge et bien sûr en impliquant les directions centrales du ministère de la Santé, en renforçant également les capacités du personnel de santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, également sur le plan technique, logistique et bien sûr financier pour pouvoir assurer la prise en charge des cas et ce dans toutes les régions et en impliquant aussi les agents de santé à base communautaire. Donc, à cette étape-là, nous avons cette dévolution de la prise en charge qui est réalisée donc, par les districts dans pratiquement toutes les régions. Bien sûr, il y a des défis à relever, des défis tels que la surveillance au niveau des points les points d'entrée. Et quand on connaît la porosité des frontières, et surtout terrestre, également dans notre contexte, les zones à sécurité précaire, et également des zones où il y a de nombreux déplacés, pouvoir assurer la prise en charge des cas. Et actuellement, nous observons bien sûr un relâchement des gestes barrières et bien sûr, il faudrait qu'on tienne compte de tous ces aspects pour pouvoir contenir l'épidémie quand on observe qu'il y a une augmentation donc progressive du nombre de cas aussi ces derniers jours dans notre pays. Donc, voilà juste quelques éléments que nous souhaitons partager concernant la riposte au Burkina Faso. Merci. So thank you professor for that. Ceux qui vont poser des questions, je demande d'être concis. Docteur Butin, vous avez la parole.
Je remercie infiniment John. Je remercie tous les intervenants pour cet échange fabuleux d'expériences, de recommandations, ce qui a eu le fait en tant que continent et région pour endiguer la pandémie. Il y a des questions que je posais sur la messagerie. Je vais demander à ceux qui ont posé des questions de prendre rapidement la parole pour poser des lignes de voix. Je vais commencer par Sila Ka. Plusieurs questions ont été posées au sujet du dépistage au Sénégal. Je vais demander au docteur Sila Tiam de commencer et de donner lecture des questions. Vous avez donc la parole, Sila Tiam. Sila Tiam, vous avez la parole pour pouvoir poser directement votre question. Is possible to for the facilitator? Est-ce qu'il est possible pour le facilitateur, les collègues techniciens, de donner la parole à... Je suis Patient Wimba, je vous parle de Bukavu, en République démocratique du Congo. Ce que je voulais dire, c'est que nous avons mené une étude à Bukavu sur l'observation des gestes barrières autour des COVID. Et nous avons trouvé qu'il n'y avait pas vraiment eu observation de ces mesures barrières dans notre contrée. Et maintenant, on a effectivement dans notre base de données, parce que nous menons une étude prospective, là, des enquêtes sur terrain depuis le mois de juin maintenant, et nous avons effectivement observé que depuis fin novembre, début décembre, nous avons vraiment une élévation du taux des malades qui sont rapportés. Ma question c'est celle-ci. Est-ce que on peut vraiment s'attendre à une résurgence ou à une deuxième vague de l'épidémie dans un contexte comme le nôtre? Parce que le principe au départ, c'était que la maladie conférait une certaine immunité. Mais comme chez nous, on n'a pas eu d'observation pratiquement des gestes barrières, les gens n'ont pas été confinés, les masques n'ont pas été assez bien portés et tout. Et à quoi est-ce qu'on pourrait rattacher du coup la survenue de cette augmentation du taux des malades, parce que et les malades et les décès, on en voit de plus en plus ces derniers temps. Est-ce que cela pourrait remettre en question le principe même de l'immunité de la maladie? Merci beaucoup. Ok, merci pour cette question un peu centrale. Je crois que nous allons prendre un certain nombre de questions et après je vais demander aux panélistes d'essayer de répondre à ça parce qu'il nous reste que 12 minutes. Ok. Je donne maintenant la parole à Bintou Massare. Si on peut donner la parole à Bintou Massare, s'il vous plaît. Bintou Massare, vous avez la parole. Massare, vous avez la parole. Can we give the floor to them from the technicians, please? Est-ce que les techniciens peuvent lui donner la parole, s'il vous plaît? OK. Très bien. Je ne vois pas le... Allô? Bintou Massare, vous avez la parole. Est-ce que vous êtes en train de parler? Nous ne vous entendons pas. OK. Donc, passons à Madame Sila Tiam avec une question. Sila Tiam had a question for a while. S'il vous plaît.
La tiens, attends, depuis un certain moment. Allô, bonjour. Oui, vas-y, s'il vous plaît. Bonjour, Dr Sylla Thiam, expert de santé publique et secrétaire général de l'Association des professionnels de santé publique du Sénégal. En fait, ma question a trait au testing. Je pense que on est parti d'une situation où les tests étaient limités à une situation où les tests ont été décentralisés. Mais je pense qu'on n'a pas encore atteint le niveau de décentralisation, particulièrement au Sénégal, où on a encore ciblé des laboratoires qui sont au niveau régional, même si les laboratoires mobiles ont été déployés. Donc, je pense qu'il est important que le testing soit valable, soit disponible partout. Et je ne sais pas pourquoi, jusqu'à présent, on tarde à décentraliser à 100% dans toutes les zones le testing, mais également, peut-être également au niveau du secteur privé, parce que je ne comprends pas pourquoi, jusqu'à présent, quelqu'un qui a la maladie et qui a une assurance privée ne peut pas aller se faire tester. Donc, pourquoi on a encore ce protectionnisme jusqu'à présent? Et la deuxième chose, c'était par rapport à la recherche. Ma deuxième question, c'est la production. On a fait beaucoup d'efforts en Afrique, beaucoup d'expériences. Quand j'entends les différents intervenants, je vois la richesse, l'information qui est derrière. Mais au niveau de la recherche, je pense qu'il y a la publication encore, ça tarde et c'est quelque chose qui manque. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour booster encore ce partage de connaissances et la dissémination des informations? Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, Dr. Thiam, pour vos questions. Je donne la parole maintenant à Rose Nabi Moussouri. Rose Nabi Moussouri, you have the floor to ask your question. Then I'll take it back. Vous avez la parole pour poser votre question et puis je vais passer la parole au panéliste pour répondre aux questions. Rose Nabi Moussouri, vous avez la parole. Je m'appelle Rose Nabi. Je suis doctorante à l'Université de Pretoria en Afrique du Sud. J'aimerais tout d'abord remercier ceux qui m'ont invité et je félicite également tous nos brillants dirigeants dans le domaine de la santé pour le travail à table effectué. J'ai une seule question à poser. Elle est la suivante. Face aux défis que nous rencontrons dans le domaine de la santé, par exemple la COVID-19, qu'est-ce qui vous motive en tant que personnel de santé de vous relever chaque matin malgré tous les défis, continuer votre travail et aider les autres? Je vous remercie infiniment de m'avoir donné la parole. Ok, wow, thank you very much, Rose. That's a fabulous question. I'm sure all the panelists... Je vous remercie infiniment. Votre question est très pertinente. Je pense que tous les panélistes vont se bousculer pour partager ce qui les inspire. Je vais donc passer la parole aux panélistes qui répondront à la première question posée par notre collègue de la RDC au sujet de l'immunité, du dépistage, la lassitude au sein de la population, ce qui a lieu de faire. Si vous me permettez, je prendrai la parole. Docteur Mouiti. Allez-y, docteur. Ah, effectivement, on constate dans tous les pays, dans la plupart de nos pays, qu'il y a une généralisation de la non-observation de ces mesures de distanciation sociale. Ah, et maintenant, c'est vrai qu'on a constaté aussi, comme j'ai dit au début, une augmentation du nombre de cas, quelquefois significative dans certains de nos pays. Ah, et cela est déjà, si vous voulez, démontré par la science que quand on relâche les mesures d'observation des distanciations sociales, généralement, surtout autour d'un événement particulier, dans les 8 semaines qui suivent, on a une augmentation significative du nombre de cas. Donc, le relâchement, ça va certainement se traduire par une augmentation du nombre de cas. Maintenant, compter sur l'immunité globale, ce n'est pas la solution, puisque d'abord, je veux dire que même quand avec une augmentation significative du nombre de cas,
les études de séroprévalence montrent que dans la plupart des pays ou des régions ou des sous-régions, nous sommes encore autour de 6% pour certaines études, jusqu'à 12% pour certaines autres, et pour certaines autres, jusqu'à 25% pour certaines populations. Mais même si on va à 25% de séroprévalence, ce n'est pas suffisant pour couvrir, avoir une immunité protective pour la population. Ce n'est pas suffisant. Nous devons aller avec le vaccin peut-être jusqu'à 80-90%. Donc, nous ne pouvons pas à ce stade-ci compter sur juste le relâchement et avoir une immunité collective. Ce n'est pas possible. Nous allons continuer à avoir des cas et nous allons malheureusement continuer à avoir des décès. Et c'est pourquoi nous devons insister sur continuer à observer les mesures de protection et de distanciation sociale. Merci. Ok, merci beaucoup, Dr. Mboy. Je vais demander à Professeur Dr. Saud de répondre. Il y a plusieurs questions sur le Q&A. Si je peux rapidement attirer votre attention. Il y a le Dr. Franco Mofinda de l'Angola qui a demandé quelle est la stratégie contre le traitement des cas, quelle facilité pour avoir accès aux réactifs des RT-PCR et gel expert. Il y a aussi Amy Fall qui demande quand exactement les tests rapides de l'Institut Pasteur seront disponibles, quelle sera la stratégie de déploiement, quels enseignements tirerons-nous. Ils ont été annoncés depuis, ils vous saluent pour votre leadership. Mohamed Lamine Lee demande, dit, c'est peut-être vrai que l'Institut rendait le diagnostic en 24-48 heures, mais il faut ajouter qu'on faisait parfois patienter les malades pendant quelques jours. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc, Dr. Sal, vous avez la parole de répondre un peu aux questions spécifiques pour le système de laboratoire au Sénégal. D'accord, merci beaucoup, Dr. Moëti. Merci aussi aux différents intervenants qui ont posé des questions toutes très pertinentes. Globalement, par rapport à l'accès pour les tests rapides, faut dire que depuis le mois d'août, il y a déjà au Sénégal une phase pilote de tests donc qui sont disponibles. Maintenant, la partie où ils sont dans une phase pilote et dans des zones pour justement voir la faisabilité et voir dans quelle mesure ces tests peuvent être mis dans de bonnes conditions au niveau du système de santé. Maintenant, avec le lancement officiel de la plateforme, au mois de janvier, la deuxième quinzaine, les tests au niveau anticorps seront disponibles. Et à partir du mois de février, les tests antigènes, en courant du mois de février, seront disponibles pour le système de santé dans un premier temps et progressivement dans les différents domaines. Au Sénégal et dans le reste de l'Afrique et dans les pays, notamment, nous avons une collaboration avec l'OAS qui justement va en déployer dans plusieurs pays. Alors, plus spécifiquement, la question de la démocratisation des tests d'une manière générale, qui est une question qui est revenue plusieurs fois. C'est juste pour dire que le Sénégal a essayé d'avoir une stratégie la plus prudente possible, parce que faire un test n'est pas quelque chose de banal, a des implications soit dans l'hospitalisation, dans la stigmatisation, etc., pour s'assurer que les tests soient faits dans d'excellentes conditions, de manière à pouvoir exploiter derrière le résultat. Et ça nous a amené à les donner et à les faire de façon graduelle. Au début, avec un seul laboratoire, puis deux, puis cinq, etc. Ensuite, il y avait le laboratoire de Dakar, puis dans les régions, et progressivement. Ce qui fait que la démarche prudente de le faire n'a qu'un objectif, c'est de s'assurer que les résultats sont toujours de qualité et qu'ils évitent justement que les laboratoires soient décrédibilisés dans le travail qu'ils font. Ensuite, le deuxième élément qui joue là-dessus, il faut être très clair là-dessus, c'est que dans le monde entier, tout le monde cherche à acheter des tests. Et ce n'est pas parce qu'il y a l'accès à des tests qu'on peut en distribuer à larga manie, parce qu'à terme, il faut savoir qu'il y a des pays qui ont arrêté de tester parce que juste les réactifs n'étaient plus disponibles. Donc, le fait de gérer un stock qui, même s'il est important et planifié dans la durée, est aussi un élément important. Un des intervenants a demandé, dans le cas où les gens sont malades, au Sénégal, la politique est très claire. Si vous êtes malade, le test est gratuit pour vous, il est accessible pour vous. Aucune personne malade ne doit payer pour être testée.
En tout cas, c'est la politique du gouvernement, c'est celle qu'applique l'Institut Pasteur. Et de ce point de vue-là, à partir du moment où le professionnel de santé les prélève et les amène chez nous, le test est gratuit pour les malades. Maintenant, pour ceux qui voyagent, et qui, la politique là aussi a été de dire qu'il faut faire payer ça parce que c'est un test obligatoire. Et c'est là où, comme soulevait un des intervenants, que le privé joue un rôle. Il y a plusieurs laboratoires privés ou publics qui ont cette capacité de donner ce test et que ces personnes-là doivent payer. J'ai eu une question sur la cherté. Il faut dire qu'en dehors du Niger, je crois que le Sénégal a le prix le plus bas. Parce que là aussi, il y a une volonté gouvernementale très forte de faire le test au prix le plus bas possible. Mais il faut savoir que même si la santé n'a pas de prix, il y a un coût. Le test, il faut les faire venir, il faut du personnel pour les faire, etc. Ensuite, je pense qu'il y a une question concernant le délai de réponse. Effectivement, l'organisation a mis en place pour qu'à l'intérieur de l'Institut, les tests sortent en 24 heures, pas plus de 48 heures en tout cas. Et dans ce contexte-là, il faut savoir que le laboratoire est un dispositif. Et si on considère depuis le moment où la personne a fait l'alerte jusqu'au moment où elle reçoit son résultat, il peut se passer effectivement plus de 24 heures. Mais ça fait partie des éléments de l'amélioration sur lesquels nous avons travaillé en permanence et qui nous a amené des fois à définir un screening très ciblé, ne pas s'éparpiller pour tester tous les gens, parce que beaucoup de gens souhaitaient tester pour connaître leur statut. Et le choix qui a été fait, c'est de justement aller dans les contextes où les tests sont les plus utiles à prendre une action, parce que l'objectif de tout ça est bien évidemment d'arrêter la transmission. Je pense que c'est les différentes questions que j'ai pu voir, sauf si j'en ai oublié une. Par rapport à l'accès aux différents tests, je pense qu'a posé la secrétaire d'État de la santé publique en Angola. Je voudrais là dire qu'il y a eu plusieurs dispositions qui ont été prises pour avoir accès aux réactifs. Un des premiers, c'est qu'il faut des achats directs. Donc, on a un peu, comme tous les laboratoires, partout dans le monde, essayé d'en trouver. Je voudrais vraiment saluer le rôle que l'Africa CDC et l'OMS ont joué dans la mise à disposition des tests. Nous, au Sénégal, nous étions à l'Institut Pasteur, un des hubs, et avons distribué plus de 2 millions de tests aux différents laboratoires, justement, parce qu'ils venaient via Africa CDC au niveau de notre institut, et on faisait justement cette distribution. Et ça aussi, ça a été un élément important qui a eu des achats par l'OMS, par l'Africa CDC, par l'OAS qui ont été redistribués et c'est aussi une façon d'accéder aux tests. Maintenant, le gene expert est quelque chose qui a été assez rare. Au Sénégal, il y a un stock qui était minimal, qui a été donné au gouvernement et qui a été déployé progressivement, mais il y a une pénurie mondiale là-dessus. Voilà, donc c'est les différents éléments de réponse que j'avais et vous remercie de votre attention. Merci, docteur Moïti. OK. Merci beaucoup. Merci, Dr. Sall. Je vois dans la dernière question que je vais prendre du chat, il y a Rahmat Odiosoro du Ghana, who is asking a question, two questions. Have the civil unrest, the university question, avec les troubles, les grèves des étudiants, plus des conflits et qui ont un impact sur la situation. Que est le point de vue en ce qui concerne le recrutement des personnes dans ce type de situation? Qu'est-ce qui peut être fait et face à ces événements qui favorisent la propagation du virus? Également, gérer la subvention des coûts des dépistages. Je vais poser la question à un qui gère la situation dans les pays. Est-ce que vous pensez que ces rassemblements peuvent favoriser la propagation du virus? Soit le docteur Bousseau ou bien le docteur Omid Bodoun ou anybody would like to answer this question. What is your view of some of these? Intervenant qui souhaite répondre à cette question. Merci, madame la directrice. Ce qu'on peut dire, en tout cas au Sénégal, nous avons eu à faire face à de grands événements, des événements religieux. Je pense qu'il y a le grand Maghreb de Touba, il y a le Gamou, on a aussi des rentrées universitaires et scolaires. Et ce que nous avons vu, en tout cas par rapport à la période de ces événements qui se sont passés dans le courant du mois d'octobre, où on était dans une phase descendante de l'épidémie,
nous n'avons pas eu d'impact. Et c'était vraiment quelque chose d'assez remarquable, hein, parce que c'était des, surtout par rapport au Grand Magal de Touba, dans la région de Joubert, qui est à peu près à 200 km de Dakar, où c'est plus de 3 millions de personnes qui sont retrouvées sur un espace pendant presque 48 heures. On n'a pas eu d'impact. Mais aujourd'hui, quand même, notre analyse par rapport à ces deuxième vagues, c'est que nous pensons qu'il faut essayer de limiter au maximum ces rassemblements. Et ça, c'est très important. Certains rassemblements sur la voie publique qui ont repris, parce que nous le voyons ici, par exemple, dans notre pays, où il y a beaucoup de cérémonies familiales, des mariages, des baptêmes, où les gens se regroupent et ont complètement abandonné le respect des ports, des mesures barrières, principalement du port. Donc, nous continuons quand même à dire, même si nous avons eu un vécu qui n'a pas été, en tout cas, concluant en termes d'augmentation du cas, qu'il faut effectivement, jusqu'à ce qu'on ait une bonne maîtrise de la situation, vraiment limiter au maximum les rassemblements dans les lieux publics et aussi les manifestations publiques. Merci. Ok, merci. Merci beaucoup. Mais si je peux faire un commentaire là-dessus. Très rapidement. Merci. Nous sortons d'élection. Et on avait craint qu'après les élections, il y aurait une augmentation des cas. Il n'y a pas eu. Ce qu'on constate, c'est que tout ce qui se fait à l'air libre, n'est pas en milieu clos, n'entraîne pas vraiment une augmentation des cas. Et dès qu'on a les réunions en milieu clos, on voit à chaque fois une augmentation des cas apparaître. Mais la Côte d'Ivoire, on n'a pas vu cette augmentation des cas. Donc, je crois qu'un conseil qu'on doit donner, c'est vraiment éviter les grandes réunions en milieu. Merci beaucoup, sir. So, John, I will pass it back to you with all apologies to the participants who still have some questions or hands up. We're out of time. Je vous passe la parole. Et je vais m'excuser auprès des participants qui ont la main levée. J'ai une question. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous permet de continuer votre travail? Parce qu'il y a un sentiment général selon lequel nous faisons face à cette phase et nous avons une pandémie qui sévit le continent africain et il est évident que nous devons faire beaucoup de travail pour publier de façon les réalisations dans la lutte contre la pandémie et les outils que nous avons utilisés pour lutter contre la première phase seront toujours valides pour la deuxième phase. Nous devons les ajuster, nous devons faire preuve de plus d'agressivité dans la recherche des vaccins. Le continent observe ce qui se passe à la télévision et voit les gens en Europe. Par exemple, à Royaume-Uni, les vaccins ont commencé à être déployés hier et le pays va suivre le Canada à l'Espagne. Et en tant que dirigeant du service de santé du continent, la pression sera énorme sur nous et nous devons pouvoir atteindre les communautés. Mais nous ne savons pas comment leur apporter le vaccin. Je pense que c'est un appel collectif que l'OMS gagne la vie de travail en son temps dans le cadre de la facilité en place, également avec le président Ramaphosa, président de l'Union, le président Paki, le ministre Défi, le président Paki et son excellence Guterres. Une réunion qui portait sur le sujet. En tant que continent, nous devons pouvoir atteindre au moins 60% des populations avec les vaccins. Parce que nous devons renforcer à cette fois la coordination et la solidarité en tant que continent. Nous devons faire face aux questions soulevées. Because we all understand that apporter sa contribution. Nous comprenons tous au moment où les vaccinations vont augmenter, il y aura des accords bilatéraux, les pays vont venir à construire. Nous devons œuvrer de concert parce que l'enjeu est très grand. Si nous n'approchons pas
nous n'abordons pas la question de la distribution des vaccins comme une seule personne, nous allons amplifier la campagne anti-vaccin. Et les secteurs de la santé doivent prendre au sérieux la question du vaccin. Tous pour l'appui que nous avons reçu de la part de l'OMS et dans le cadre des partenariats que nous avons mis en place pour coordonner nos efforts. L'OMS a joué un rôle de premier plan. Nous devons donc renforcer la capacité de mobilisation de l'expertise en matière de soins de santé au sein du, centre, du continent. Les outils en place, l'Institut Pasteur au Sénégal, Africa, c'est ici, qui devrait permettre au continent d'accéder aux ressources nécessaires pour endiguer la pandémie. J'ai saisi cette question. Vous remercier d'avoir pris part, d'avoir autorisé à prendre part à cet important dialogue. Je vous remercie. Je vous remercie. Une fois de plus, je remercie une fois de plus le président Macky et ses collègues et l'appui qu'il leur a apporté, l'appui qu'il a apporté au forum Galien. Merci, professeur Awa, d'avoir organisé ce forum. Merci aux panélistes d'avoir partagé l'expérience. Merci également aux participants pour leurs brillantes questions dont certains n'ont pas obtenu de réponse, faute de temps. Tout ce qui est intéressant, c'est l'engagement des populations africaines, de la communauté, pour relever certains défis rencontrés. La contribution de tous est la bienvenue. Je pense que nous allons surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés. Je vous remercie. Je vous remercie une fois de plus.